Acclame encore pour le roi de gloire. Acclame pour le roi de gloire. Amen, amen. Amen. Nous rappelons pour la paroisse de la moto que nous avons dévotion matinale tous les jours. Ce sont les cultes d'après-midi qui sont suspendus pour 4 jours, mais la dévotion matinale est là. Ibada ya asubuhi itakuya kwa kila siku mema ibada ya magharibi itakuya kwa mashiku ine bule. Tous les jours de 6h à 7h30 nous sommes là pour la dévotion matinale. Kila siku musa 6h paka 7h30 tuko pale jua ibada ya asubuhi. Il est important de commencer la journée avec Dieu. Inakuwa muhimu kuanza siku na pamoja na Mungu. Et donc avant d'aller dans nos préoccupations journalières, passons d'abord ou passons d'abord par l'église pour la dévotion matinale. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend qu'il occupe temporairement la chaise qu'il a? Est-ce que tu comprends qu'il y a quelqu'un qui est assis sur son trône d'éternité en éternité? Est-ce que tu comprends qu'il y a des honorables pour qui il faut renouveler les mandats? Est-ce que tu comprends qu'il y a un honorable pour qui on ne renouvelle jamais les mandats? Il est assis sur ton trône d'éternité en éternité. Il est le créateur incréé. Toutes les choses existent par lui. Lorsqu'il dit, et ça existe. Lorsqu'il dit, et ça c'était. Il dit au figuier, c'est fini pour toi. Kuna malizika juu yako. Et c'était fini. Na malizika. Il n'y a que lui qui peut dire ça. Ni paka yejo anaweza kusema ile. Il n'y a que lui qui est capable de ça. Ni paka yejo anaweza jua ile. Il est la source intarissable. Anakuwa chemchemu ile shikauka. La source chemchemu
où nous pouvons nous abreuver. Même si le monde entier s'abreuve à cette source-là, elle ne tarira jamais. C'est une source éternelle. Il est le médecin par excellence. Si un médecin te dit qu'il connaît ton corps, c'est qu'il t'a menti. Ton Dieu connaît toutes les cellules de ton corps. Il connaît le fonctionnement de tous les organes de ton corps. Lui seul sait poser les diagnostics vrais. Le médecin par excellence, c'est lui. Si quelqu'un nous dit aujourd'hui qu'il nous aime, c'est juste pour un peu de temps. Peut-être c'est parce que nous lui avons acheté un véhicule. Peut-être que c'est parce que nous lui avons fait du bien qu'il nous dit qu'il nous aime. Mais dans les cieux, il y a quelqu'un qui nous aime. Il y a quelqu'un qui nous aime d'un amour vrai. Il est digne de gloire. Dieu est digne d'adoration. Il est digne d'être célébré. Je voudrais inviter quelqu'un ce matin.
Jésus est Seigneur. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Ni wewe mwamba wa maisha yetu. Hakuna Mungu kama wewe. Ni wewe kimbilio letu Bwana. Hakuna Mungu kama wewe. Ni wewe moyo ya maisha yetu. Hakuna Mungu kama. Hakuna Mungu
Bwana asifiwe. Le Seigneur soit loué. Bwana asifiwe. Le Seigneur soit loué. Tunaweza kuimba ko ile mwimbo au kola lele. Si on peut chanter ce cantique au kola. Tutaimba shibote. Chantons tous ensemble. Le
penda tupike bikele kele frimbi mikono je me reconnais là pour tout ce qui me Le Seigneur soit loué. Bwana asifiwe. Que le Seigneur soit loué. Tout à l'écart. Pouvons nous rasseoir. Difficulté yaba Christo. La difficulté de chrétien. Ni kuyua Mungu anabarikiaka muntu je. C'est de savoir comment est-ce que Dieu bénit quelqu'un. Dio magumu yaba Christo. C'est là réside la difficulté. Mungu kubariki mutu. Dieu bénir l'homme. Mungu kuchunga mutu. Dieu garder l'homme. Aina sujet yangu mais inapatana sana na hibi nyo na ubi. Ce n'est pas tellement mon sujet mais ça se ressemble de ce que je suis en train de prêcher. Dieu pari peku difficulté yaba Kristo. C'est là où on trouve la difficulté pour les chrétiens. Plusieurs, surtout nous dans nos églises pentecôtistes. Si on lui dit seulement que c'est lui là, c'est un prophète. Qui est le prophète et ce prophète pour parler de la part de Dieu, il sursaute. Je ne refuse pas le parler de Dieu, non. Hier, j'étais dans notre paroisse sur l'avenue Colosi. J'étais dehors. Je vis une soeur venir. Et pendant qu'elle venait, je la voyais jusqu'à ce qu'elle est arrivée. Elle me dit, papa, j'ai déjà rêvé, ça fait 4 mois, regarde le songe que j'avais vu. Je vais refuser pourquoi. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je lui ai dit ce que tu viens de dire. Si c'était dans l'église. Parce que dans l'église, il y a des gens. J'allais m'agenouiller, toi tu pries pour moi. Et comme c'est dehors, prie pour moi. J'ai dit prie pour moi, et c'est toi qui as reçu la parole. Nous recevons des messages de Dieu venant même de loin. Mais et ce n'est pas de cette manière que Dieu aide. Non. Dieu n'aide pas de cette façon-là. Partout, même chez nous à l'église, tu peux les mettre, les chrétiens, tu les fais asseoir. Tu commences à leur donner des conseils selon la manière dans laquelle Dieu aide. Non, ça ne tient pas toujours. S'il trouve seulement quelqu'un, même dans une église, on l'a invité, il fait seulement achi, achi. Et papa, donne-moi le numéro. Non, Dieu n'aide pas comme ça. Donc, Dieu n'intervient pas dans nos cas comme ça. Na Mungu ashisaidiake mu maneno yetu munaile muile namuna. Peut-être ni mibebe quelques minutes ni mioneshe. Et que je prenne quelques minutes pour vous parler. Parmi manjia minene sana ile Mungu anasaidiaka. Parmi les grandes voies par lesquelles Dieu passe pour aider. Ya kwanza, la première, c'est sa promesse envers un peuple, une famille ou une personne. Ni ahadi yake kwa taifa, kwa jamaa au kwa mtu. C'est ça sa, la première voie. Njia ya kwanza. Kuko batu, il y a des gens.
banaweza banafanya kitu. Ils peuvent faire quelque chose. Kizuri sana. Une très bonne chose. Aina mambo ya bukristo. Ce n'est pas l'affaire d'être chrétien. Aina mambo ya kuacha buloji. Ce n'est pas l'affaire de la sorcellerie. Ata muloji anikifanya. Même si les sorciers le fait. Mungu anamulaka. Dieu lui promet. Mais c'est fini. Ça n'a rien à faire avec la prière, sainteté, apana. Aina mambo ya malombi ya butakatifu apana. Pasteur moya ku Nigeria. Un pasteur au Nigeria. Aripasha ku libérer bazungu mo ba Suisse. Il devait libérer certains Suisses, certains blancs. Aripasha ku ba libérer un certain samedi. Aripasha ku ba chiri ya mupocho fulani. Mais Kaji ilikuwa pia na ba bloqué jusqu'au dimanche. Et comme le travail était bon, il les a bloqués jusqu'au dimanche. Il les a pris. Et il dit, allons à l'aéroport, vous allez partir. Ils arrivent à l'aéroport. Il a demandé à la compagnie. Est-ce qu'il n'y a pas quelques places pour mes missionnaires? Comme il est tellement connu au Nigeria. Ce pasteur, on ne peut pas t'aider. Asema mchungaji hatuwezi kukusaidia. Avion ni yenye kuyala. L'avion est déjà plein. Kama unaweza kufanya hivi. Si vous pouvez faire ceci. Uende mule mu salon. Allez au salon. Ulize kama kunaweza kwa ba passager. S'il y a certains voyageurs ou passagers. Bale banaweza kukuachia fwashi ça parce que vile uko pressé. Qui peuvent vous céder leur place comme vous êtes pressé. Mukuye huko. Et vous allez venir ici. Imprimer ma billet mu jina yabo. On va imprimer le billet en leur nom. Ikuwe ça bale ba passager banachelewa billet mais hatutabalipisha nani nini. Pénalité. Et comme si ces passagers étaient en retard, mais on ne va pas leur demander la pénalité. Il a trouvé beaucoup de gens là-bas. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Jambo mchungaji. Jambo mchungaji. Papa wako nani? Aseni ku pasteur. Papa vous c'est qui? Il dit je suis un pasteur. Est-ce qu'on est ce qu'on y a chaque fois chimbiri ya banane ça pas vraiment. Est-ce que vous pouvez me céder deux places pour mes visiteurs? Dit, Apana, je pars en congé. Oui, maman, où comme Christ? Asema, Dieu. On est sur une yacht. Quoi, bébé, on est dans mon Suisse. Il faut banzer conférence cash. Elle demande à une autre maman. Maman, toi aussi, tu peux. Et là, il a demandé. Tout le monde a refusé. Quelqu'un était assis de l'autre côté. Il demande, pasteur, pardon. Est-ce que vous pouvez prendre nos deux places et nous allons voyager demain? Ça n'a pas de problème, vraiment. Il dit, je vais m'occuper de la pénalité. Et il a amené ces deux personnes, on a remplacé ces deux noms par ces visiteurs. Il a fini. Il lui demande, tu pries où? Ton pasteur c'est qui? Il dit, moi je ne suis pas chrétien, je suis un musulman. Je te connais parce que tu passes à la chaîne de télévision, c'est pourquoi je t'ai. Tu es un musulman. Il dit oui. Pourquoi ba pasteur botaba na ba Christ barini kataria paka we musulman? Pourquoi tout ce pasteur, même les chrétiens, m'ont refusé seulement toi le musulman? Pika magoti. À genoux toi. Est-ce que tu crois que je peux te bénir? C'est mandi ona je crois. Le bénit. Il dit ceci. Tu vas t'enrichir. Tu vas aller loin. Ce monde ici va te connaître. En Afrique ici, il n'y aura pas de gens africains comme toi. Je ne sais pas s'il avait dit Amen ou bien s'il avait dit Allah, je ne sais pas. Après des années, le commerce. C'est l'homme le plus riche d'Afrique. Ni mutu mutajiri sana wa Afrika. Jina yake ni Dangote. Et son nom c'est Dangote.
Kila siku anasema je suis musulman. Na chaque jour dit que niko muislamu. Mais mari yangu. Mais ma richesse. Inatoka kwa Allah. Ça vient de Allah. Mais kwa Mungu wa chrétien. Mais de Dieu des chrétiens. Ça n'a rien à faire à geuke. Et ça ne demande pas qu'il puisse changer. Ça n'a rien à faire. Ça n'a rien à faire. Akuna. Ya kusema ache bu musulman, ache lawa, ache dawa, au ache bu lo Japan. Il n'a pas à faire pour abandonner le fétiche ou bien cesser d'être musulman, non. Chaque fois. Kiramara. Kama unafurahisha sana mutumishi moya, kule ni bia kweli ni wa Mungu. Si tu régis réellement un serviteur, il est de Dieu. Tel que vous voyez, pour que quelqu'un puisse te maudire. Est-ce que Papa Francis ici, il prend cet argent. Merci, Sam. Merci beaucoup. Sois maudit, sois. Apana. Non. Apana. Non. Chaque fois. Chaque fois quelqu'un ne peut pas te maudire si tu réjouis son cœur. Et quelqu'un aussi ne peut pas te bénir si tu attristes son cœur. Kukubitu. Que nous pouvons faire. Et ça touche le cœur d'un homme de Dieu. Na tunafanya binagusa roho ya mtumishi wa Mungu. La maison là où j'habitais, il y avait les enfants de notre pasteur. C'est pasteur wangu. Et mon pasteur, et même devant la chaire, disait ma maison c'est le salon et la toilette. Chaque jour, nyumba yangu ni salon na toilette. Ma maison c'est le salon et la toilette. Ça, ça. Maintenant. Pourquoi il parlait du salon? C'est là où il recevait les visiteurs. Et la toilette, c'est quoi? Parce que si les visiteurs venaient à la fin, ils vont se rendre à la toilette. C'est chaque fois. Kiramara. J'arrangeais le salon et la toilette. Le salon et la toilette. Apana ima toilette moderne. Pas nos toilettes modernes. Ni ma toilette, on a fouaki amu kisho na beba maivu, on a moangia moangia amu. Et ce sont les toilettes, vous balayez, vous prenez la cendre, vous aspergez là-bas. Alors chaque fois, ville turuqua paka, akakatoto, koka tatumiki amu, akakatoto, kila shiku. Et chaque fois, elle disait, cet enfant ici, il va servir Dieu chaque jour. Comme il était pauvre. Qu'est-ce qu'il pouvait me donner? À part me bénir pour que je puisse servir Dieu. C'est la première voie. Et non pas ce que vous faites, papa, il n'y a personne qui peut voir. On va te voir, te regarder, tu enlèves la veste, on te regarde, tu enlèves le débardeur, il n'y a rien qui va se passer. La Bible dit en Hébreu le chapitre 11. Il y a des gens à qui Dieu a donné des promesses. Ils les ont salués de loin. Sans vivre cela. Et ils sont morts. Combien de gens? Ata avant une minute kufuatana kusema kwa Mungu paka mitaona Europe na ishi kisha mimi nafanya mais paka ile kile kinafanyika ni omwe peut-être misumari bariuza kwa Europe njoo bana mushika nayo au ni madra bego nafanya kwa Europe au kushini bana mushika nayo kunaisha njoo peut-être Europe fasoari ingia hapo. Et combien de gens ils ont pris même des promesses, ils ont écrit derrière la Bible disant moi capi même à une minute de ma mort, je verrai Europe.
Mais si c'est l'Europe qu'elle a vue, c'est seulement les clous ou les draps qu'on a achetés en Europe ou en Chine qu'on a utilisés pour l'enterrer. La première fois. Où le tout monde haute, muko sûr, muko convaincu c'est ouyu, anapashi kwa mtumishi wa Mungu. Tout celui, vous êtes convaincu qu'il est serviteur de Dieu. D'abord. Ya kwanza. D'abord. Ya kwanza. Avec muko na bwa. Cela avec qui vous êtes ici. Mubambe ile, mwache hii mambo yenu ya ba profete, profete. Nyinyi na consacre ba ba Kristo hata kule kwetu utamwona mtu haonekane bara kusiasi papa beko na maombi ya famille na profeti wa mama yake et même chez nous là-bas quelqu'un disparaît on demande oh ils ont une prière de famille avec le prophète de leur famille ou de sa maman. Je dis ça va si tu vas Kristo beko paka papa mbuya arende faka muningie hivi. Depuis tout le temps, vous avez dit que vous avez dit dans le temps, quand vous entrez, vous regardez. Mais c'est Mungu, Mungu est quoi ici. Dieu est comme ça. Les chrétiens que je conduis, je ne peux pas donner solution à tous leurs problèmes. Comme moi. Mais le Dieu qui est là, lui, il va terminer leurs problèmes. Alors Dieu fait comment? Il te laisse même 60 personnes. Tu parles et ça se réalise. Tu pries, ça se réalise. Les autres ici même 40. Il te refuse. C'est lui-même qui il le fait. Après qu'il le fait, il est le fait. Je partais pas qu'à venir me dire chez le chou de vendredi. Ça ou les dates, ni mimi mon beau bien, ou ni maombi à kia ou ni je. Naïe, Hanashka haya, na mimo miriom, minashka haya, parce que mimi n'a pas de couvres, c'est pas caché ça. Mais c'est ouais, pas mon c'est tel que le témoignage que je vous ai donné le vendredi. Et la sœur, elle a eu honte, et moi-même j'ai eu honte, je ne sais pas. Je lui ai dit, toi pour que tu t'aides, il faut que tu abandonnes la vie que tu as. Hakuacha taki moya. Elle n'a rien abandonné. Hakuacha taki moya. Elle n'a rien abandonné. Ça c'est Dieu, il est au-dessus de tout. Ça me fait seulement honte, je me demandais ce que je lui donnais comme conseil, c'est la vérité ou bien c'était le mensonge. Pas comme Mungu. Il nous dépasse en tout. Ana tu confondra kana shibe yeba tu mishiake. Inu confondra. Tamoya unashima meviana kusola tu anirifanisha mambo yake kisha. Muntu yako napikia accent. Mimi nampikia accent. Baba wakati alinyombea kama mimi na wewe mwenyewe uro unasema hii haina maombi yangu ni yeye mwenyewe. Il nous confond de fois quand tu es là, il esquive comme ça. Et des fois quand quelqu'un est en train de témoigner, tu dis non, ça ce n'est pas ma prière, mais c'est lui-même Dieu. Bien mingi sana. Beaucoup de choses. Bien mingi. Beaucoup. Dieu nous confond, tu es assis sur la chaise, tu fermes les yeux pendant qu'elle est en train de témoigner. Kishanjo après que je suis dit en sema, mufuate benjeno, mufuate. Mais muro na yo sei. Et puis à la fin tu dis imitez vos frères et sœurs, mais dans le cœur tu sais que même moi je n'avais pas la foi qu'il pouvait réussir. Mais ce que Dieu est, ce que Dieu est, c'est quitter ici. C'est ça votre champ de bataille. Ndio shamba yenu ya vita. Ukitoke kutafuta solution we moya uyua se kule unakuwa we moya na Mungu hana. Et si tu quittais pour aller chercher la solution toi seul, sache que même là où tu vas, Dieu n'est pas avec toi. Ça c'est la première fois. Muchokoze maro ya batumishi. Et réjouissez le cœur des serviteurs. Muchokoze maro ya. Incitez leur cœur. Mais mon makanisa Mungu paka bantu mbao. Mutumishi ni mutu. Ni mutu. Un serviteur, c'est aussi un homme. Kama, bo kama, eko na muloko yake propre.
Baba moi, maman moi, pourquoi Hamoubariki? Et s'il a son frère pauvre de son père, de sa mère, pourquoi il ne le bénit pas? Non, mais si c'est Moubaya. Je ne parle pas mal. Je crois qu'il est serviteur de Dieu, mais. Si c'est lui réellement. Ma parole est qu'on a changé. Et ses paroles changent. Muloko ya kihazalak. Et sa petite sœur ne met pas au monde. Pourquoi elle ne s'aimait pas Moutoulobaki? Laissez. Ils existent dans l'église, ils sont nombreux. Non. Je peux avoir mon petit frère. Bible, nasema, nous sommes regardés comme pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Bible nasema, tu kuna tazamiwa kama maskini, lakini tu kuna tajirisha wengi. Croyez aux serviteurs de Dieu. Mwaminie batumishi wa Mungu. Croyez aux hommes de Dieu. Mwaminie batu ya Mungu. Croyez aux hommes de tout votre cœur. Mwaminie batu ya Mungu na mioyo yenu yote. Croyez dans ceux-là qui sont assis. Mouba mini de tout votre cœur. Mouba mini na moyo wenu wote. Mina konesh. Je te dis. Akuna kitu kitakuwa retaka. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Njia ya pili. La deuxième voie. Ni prière yako personnelle. C'est ta prière personnelle. Prier. Omba. Priez lorsque vous êtes fatigué. Omba taka mosha choka. Priez même si vous n'avez pas envie de prier. Omba taka maushike ya kuomba. Muombe sana. Priez beaucoup. Moi insistez sana. Kazisha mu maombi yako mubile kunatafuta kazisha. Prière ingine mwanze ayo ata 20h unafikisha 8h du matin soit ku magot soit unisha kushimama soit unisha kuikala pakichi de 20h à 8h 12h du temps uko nasema na Mungu. Tu peux commencer la prière à partir de 20h jusqu'à 8h soit assis soit debout soit couché, tu es en train de parler avec Dieu. Muombe, priez. Muombe sana. Priez beaucoup. 100 jours itaishi. 100 jours vont passer. Beba na wete na 100 jours yako. Prends aussi tes 100 jours à toi. Njoki nyimu napendea ba prophète sana. C'est la raison pour laquelle vous aimez trop. Kilo una tafuta. C'est que tu cherches. 20 heures. Ah, 20 heures. Uko ku nini? Kuzima jiko na fuata. Hein? Bon. 29 Et tu sais que la partie que tu n'avais pas suivie, on va rediffuser ça demain à 9h. Même au marché, tu vas partir en retard. Ça, ma frère, bon, ni pas vraiment bon politique. Parce que les Américains, lorsqu'ils ont. Non, ce sont les Français. Les Français, pas que les Français, les Américains, les Chinois, à l'Est là-bas, c'est presque. Non, j'ai déjà été. Autant à Mayuku, Bonag. Banduku boni paka mambo ya siasa. Asema ba Amerika, ba Chinois, kule kuese, nivi. Nisha kufika kako, njo vile, njo pale bilikuya na bilipani. Unapata ba Kristu, banayua na bibi wa Messi njina yake, na mtoto wake wa kwanza. Banibiyua. Et vous rencontrez des chrétiens qui connaissent le nom de la femme de Messi, même son fils aîné. Messi, apana, ole bibi yake, apana, ni banayua ma histoire ya Messi yote, na bwingi ya manyumba yake, na bwingi ya miotoka.
Ils connaissent toute l'histoire de Messie, même le nombre de maisons qu'il a, même le nombre de véhicules qu'il a. Pour en faire quoi? Leo banisha kuvala vala mankochi hivi busubui mangaribu utebapata basha kuvala iki apartia mazembe iki apartia lupopo uko kia leopard. Aujourd'hui ils sont habillés en veste, mais les après-midi tu vas les trouver c'est habillé cette partie à mazembe, l'autre partie à lupopo, derrière ici c'est leopard. Moi c'est la distraction monde. C'est la distraction prière. Dieu y a tatu. La troisième voie. Ce sont les offrandes volontaires. Ni ile sadaka ya binafsi. Apana mshonono kuma offrande umu natowaka. Ikalaki offrande, inekalaka ni kutafuta kushanje na Mungu bitu. Mtu anasema, shikia ni mioneshe ku Zimbabwe miri kuwaka. Dada mwa kwanza kuzala na leta $200. Anazala mto bia mingi bile ni bia bongo. Il y a des offrandes que vous donnez ne sont pas volontaires. Quelqu'un se tient de vous et dit que j'étais à Zimbabwe. Une seule ne mettait pas au monde. J'ai demandé une offrande de $200. Offrande. L'offrande. Volontaire. Il y a ma peine. Tu es à la maison. Unasema mita fa kitu fulani. Tu te dis, je vais faire telle chose. Ikuna lefusha na miaka ya kuishi. Ça donne la longévité. Il y a quatre. La quatrième voie. Décider de marcher dans une vie de sainteté. Beba mupango ya kutembea maisha utakaso. Kukubantu, beko tuna zambi mbili, abasharati kake abakunywake, mbili tu, rancune na orgueil. Il y a deux gens qui n'ont que deux péchés, la rancune et l'orgueil. Kuoni kunekalaka. Journée à sida, journée à rougeole, journée à orgueil à Ikalakeko. Alors, il y a des journées de sida, de rougeole. Il n'y a pas de journée d'orgueil. Vérifiez. 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 Comme journée, il y a sida, journée à Anani. Rougeole. Rougeole, journée à journaliste. Bienvenue, quoi, qu'on y a mingi mingi. Il y a beaucoup de journées de rougeole. De y a handicapé. Orgueil a inako. Il n'y a pas de journée d'orgueil. Je ne crois pas. Iko ako wejua uyu. Ah, je ne crois pas. Ça existe. C'est toi qui n'es pas informé. Il y a des gens. Na bengine hana tana kintu. Même d'autres n'ont rien. Balenjo mina shikira buluma mina mwacha mwese Mungu. Kama unanipenda, uyu frère ushimupe kitu. Et c'est là que j'ai eu pitié. J'ai dit, Seigneur, si tu m'aimes, ce frère ne lui donne. Tu vas le tuer et puis il va tuer des gens. Bonjour frère. Bonjour. Vous le voyez, il n'a rien, il n'est ni préfet, il ne travaille même pas dans un mining. Tu le vois, tu le salues. Jambonduk. Parmi moi, tu viens de ce monde. Quand je suis seul, je dis, Dieu, pardonne-moi. Si je suis ton serviteur, ne donne pas à ce frère. Vous risquez de le faire tuer bien avant, qu'il puisse même vieillir sans rien, mais quand même. Batoto yake beko batroa moyo wa 8 mwingine wa 6 mwingine wa 4 sasa kama unamupa atakufua batoto batateswa. Il a que 3 enfants, l'un a 8 ans, l'autre 6 ans, l'autre 4 ans. Si tu lui donnes, les enfants vont souffrir. Na bengine rancune. Les autres c'est la rancune. Anaweza kwanza kukukumbusha mambo Francis. Ça c'est la deuxième fois. Francine, mal à la première fois. Mal à la non, ce n'est même pas la première fois, la deuxième fois. C'est à peu près la quatrième fois. Et parce que mon nom en deux, il croit qu'en mardi, mon février, je crois, le 14, Kourinye Chakam, vous le croyez, je vois la bleu, moi, Yako, Ivi, Kumbuka. Ok. Bon, Ingine, en 2004. On a commencé en 2004. Bibi, il y a quoi que je vois là, qui t'a mal moqué, qui a noir. J'ai quoi ma sandali, il y a quoi, d'assain. Dieu l'a dit, quoi, je vois. Kisha, ou ta kumbuka. Paripitaka na motoka moya, Ivi. Oh!
ni ba rancunier batu bachuki acha maisha ya zambi. Abandonne la vie de péché. Acha maisha ya zambi. Abandonne la vie de péché. Bibi wa mtu ni wa benyewe. La femme d'autrui, elle est d'autrui. Jeune fille wa benyewe, ni wa benyewe. La jeune fille, elle appartient à autrui. Et surtout, mu sainteté. Et kabisa kabisa mu utakaso. Soyez fidèle dans l'argent. Mukuye ba minifu mu pesa. Chunga makuta ya mtu ata ukimupe tu 600 dollars 500 pawe kuibeba utaobeba ya ma 20 eyo. Si vous lui donnez 600 dollars de billets de 100 et pour récupérer vous allez récupérer les billets de 20 soit apana soit non on a pas moyen 10 ya 5 dollars ma 20 000 on échange zuri tout. Kisha njio, oh papa, hapa nifo nikongezee po ngapi, juu ya kuchanger dolari. Asa, wali changer nini njio nyongezee? Hey, soit tu trouves des billets de 5 dollars, de 10 dollars et de 20 francs, et puis il te dit, papa, il faut que j'ajoute combien pour que tu achètes le dollar. Pourquoi toi tu as utilisé, tu as changé ça? Njio bitu bile binaweza kukubariki. Ce sont les choses qui peuvent te bénir. Nana nashikia? Qui a entendu? Moneshe mungjakwa, c'est ce que unashikia? Dis à ton voisin, est-ce que tu as entendu? Est-ce qu'on a chikia? Demande-lui, est-ce que tu as entendu? Non, non, on a moulisé pressé. Non, on a raka. Regarde-le bien. Ushimulize kitu. Ne lui demande rien. Ça, c'est mouvambe ku mikono. Maintenant, tiens-lui à la main. Ça, c'est moulisé, est-ce qu'on a chikia? Demande-lui, est-ce que tu as écouté? Kisho mouneshe, acha mambo aba prophète. Et dis-lui, abandonne les histoires de prophètes. Mungu ambariki sana. Dieu bénisse abondamment. Michi Dieu, c'est peut-être mina chukia ba prophète ata, mina bapenda sana. Peut-être vous pouvez croire que je n'aime pas les prophètes, mais je les aime beaucoup. Ni babiana ba abana na makanisa. Ce sont des jeunes qui n'ont pas d'église. Isaï, pendant ce temps. Beba tu kama una motoka, wende kumulima huko. Si tu as un véhicule, va juste à la montagne. Tu n'as pas bien à moi, à ma 28 ans, 32 ans, beko coulé, kisha, beko na shuka na aba ba frère, ba kuma ufida, ba ma jeep ya ma 45, 28 000 dollars, beko coulé, ni kakiana, ni katoto tu na ba frère, ma moya. Tena, parfois, kale ke kakiana, akakufunda ta sana. La sabe ingi, ba kufundi, yobe na pandana kumulima. Kisha, batafarabu, ni 14 000, ba nifika tu kumulima. Mungu anasema anashikia maombi kizuri mtuba mpe makuta manashuka. Tu vas trouver un jeune là de 18 ans, 32 ans avec les papas de 45 ans qui travaillent dans Ofida avec des chips. Barikuria frère dada moya na bwana yake makuta moya maradio mbele maradio ya kujisha hii ilikuwa kama ni 45. À notre église, on a bouffé les radios pour notre sœur. Il quoi je? C'était comment? Cette soeur, si vous demandez qui peut recevoir les visiteurs, qui peut donner l'argent pour les visiteurs, elle ne fait rien. Mungu na ye halalake. Dieu aussi ne dort pas. Halalake bushingisha ta. Il ne dort jamais. Hafungaki ata kumacho. Il ne ferme même pas l'œil. Eko na buluma na batumishi yake. Et il a pitié de ses serviteurs. Bravo, tutumia frère moya. On nous a envoyé un frère. Kumi ni mwiji. Alors que c'était un voleur. Frère, no, bire, no, bire, na kata. Le frère a prêché, il a arrêté. Anasema, oh, ninashikia bujito ya mazambi yenu yote pa maungu yangu. Je sens tout le poids de vos péchés sur moi. Dada we waza anifuate papa. Ninashikia roku nyonesha sema huyu mtumishi wa Mungu akalale kwangu. Eh, la sœur vient me voir dit que père, papa, j'ai la conviction que ce serviteur va aller dormir chez moi. Bebe. Il est parti avec lui. Anisha kwenda. Il est déjà parti. Et le serviteur a pris le taxi. Ma radio 45. Il a pris 45 radios. Ya kweka magasin ya.
qu'il devait mettre dans son magasin. Et il a pris d'autres marchandises et l'argent. Et il a fui avec. Et la soeur est venue, papa, tu vas ce visiteur là. J'ai dit, qui tu l'as donné? Et nous l'avons gardé à l'hôtel. Toi, tu as dit qu'il vienne chez moi. Qui te l'a donné? Non, papa. Je fais sortir, quitter l'église. Je dis, quitte. Il ne faut même pas dire au revoir. Akaenda. Et j'ai fait ça. Tu es le Dieu véritable. Tu nous as sanctifiés. Et envoie encore un autre qui va voler. Ce sont les principes. Et tout ça repose sur la patience. Ce que je ne trouve pas aujourd'hui. Ne pensez pas que je vais chercher Dieu, ça c'est trop. Mais si Dieu veut, avant que je ne soulève la jambe sur cette, je vais trouver toujours. C'est pourquoi je vous dis, les parents, Basaz, les hommes, Watu, le diable, peuvent influencer la destinée. Ils peuvent influencer. Mais notre Dieu n'influence pas la destinée. Mais il trace la destinée. Et qu'on apprend la destinée. Les parents peuvent influencer. Le diable peut influencer. Mais notre Dieu, c'est lui qui trace. C'est lui qui dit comment les choses vont se passer. Si tu as déjà promis, notre Dieu, il est l'alpha et l'oméga. S'il promet, comme Alpha, comme ma ville est Alpha, on dit que toi, pasteur, tu seras pasteur, évangéliste, ou bien un grand évangéliste, prophète, tu seras prophète, ministre, tu seras ministre, comme un idée, tu seras je ne sais pas quoi. S'il a déjà dit, il se déplace, Omega, il devient Omega, kuchunga, il commence à attendre. Les choses vont se réaliser telles qu'il les a dites. Je suis venu vous encourager. Vous tous, vous avez déjà reçu ma promesse. Des promesses. Écoutez, je vais vous dire. Il y a d'autres prophéties. Vous mentez au nom de Dieu. Vous savez, c'est juste la douceur. Sinon, d'autres personnes, Dieu les aurait déjà frappés. Mon Dieu, depuis que tu avais, est-ce que c'est moi? Dieu s'est dit, est-ce que j'avais parlé? Il veut taper, dit, c'est un enfant. Mais comment Mungu anasema? Mungu. Dieu parle. Suivez-moi très bien. Ata drapeau il a changé. Même si on changeait de drapeau. Ata tu na toka mu franc. Même si nous quittons le franc. Tu n'enda mu franc CFA. Nous allons avec le franc CFA. Ata tu na toka mu franc CFA. Même si nous quittons le franc CFA. Nous allons d'aéro. S'il a déjà parlé. Papa. Ata bwana yako. Même ton mari. Ata bibi yako. Même afa. Ule Mungu alisema. Le Dieu qui a parlé. Anakufwa. Il meurt. Sois tranquille, il va ressusciter. Il va ressusciter, je vous dis. Petit Shimon, tu as combien d'années? Hein? Combien? 19. Oui, 17. Oui, ni mukubwa. Celui-ci, c'est un grand. Mutoto wa papa Meshake wa 14 ans. L'enfant de papa Meshake, il avait 14 ans. Njonjila yake. Kale katoto asitoa.
Cet enfant-là, papa Meshach lui disait que Dieu avait dit que je dois vieillir. Dieu a dit que je vais vieillir, je vais marcher avec la canne. L'enfant a atteint 14 ans. Papa a 64 ans. Et papa avait atteint à peu près 64 ans. L'enfant jouait avec ses amis en train de jouer. Les gens commencent à pleurer. Et on est allé appeler ce petit enfant. Mwenze, ton père est mort. Il dit, il est mort. Il dit oui. Il est mort. On lui dit oui. Il dit ça va. Il continue. On a insisté. Ton papa est mort. Il dit ce n'est pas grave. Et 14 ans, il doit avoir la conscience. On commence à lui expliquer. Papa est mort. Il ne parle plus. Il dit, laissez-moi jouer. On a fait plus de 3 ou 4 heures du temps. L'enfant est parti alors papa qu'il y avait une grande foule. Et on avait déjà couché papa sous la foi. Il était mort. L'enfant n'a pas de don. Il n'est pas serviteur. Il tient son père au pied. Il dit, Dieu, merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que ce papa ici, il me dit toujours qu'il est serviteur. Et tous les gens qui quittent Kolwezi, Kinshasa, partout, il vient le suivre qu'il est serviteur. Il m'a déjà dit, une dizaine de fois, que Yakwamba, Dieu, il m'avait dit qu'il va vieillir. Si aujourd'hui, Dieu, tu commences à tu dis aujourd'hui la vérité, demain le mensonge. Merci, sana. Merci beaucoup. C'est l'enfant de 14 ans. Et moi aussi, si je dois te servir, je vais commencer à savoir qu'un autre jour tu peux dire la vérité, un autre jour tu vas mentir. Son père s'est réveillé. Il commence à parler, à marcher. Et aujourd'hui, il a plus de 104 ans. Dieu, s'il dit, tel que vous pensez, si Dieu parlait, il aura honte de qui? Il aura honte de qui? Ule ata ata mushikilisha haya au Mungu anze kudutea seno mina konesha imambo me shiyue kama bitafanika parce que shiyue mbele parce que metu na pima shibo. Dieu te dit, bon, je t'ai parlé de ces choses, je ne sais pas si ça va se réaliser, mais nous sommes en train d'essayer. Tubebe 30, psaume 31, verset 15. Prenons Zaburi, makumi tatu na moja, mstari wa kumi na tano. Bible nasema hivi. La Bible dit ceci. Mes destinées sont dans ta main. Ya kwamba, ma destinée yangu iko mu mikono yako. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Unyokowe kutoka maadui yangu na bale bote beko na niteswa. Amen. Amen. Tubebe tena. Prenons encore. Esaïe. Isaïa. Chapitre 40, verset 27. Sura makumi ine, mustari wa makumi mbili na saba. Pourquoi dis-tu, Jacob?
Dieu a nini unasema Yakobo? Pourquoi dis-tu Israël? Dieu a nini unasema Israeli? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Ya kwamba destinée yangu inafichama mbele ya wa milele. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Haki yangu haionekane mbele ya Mungu wangu. Ne le sais-tu pas? Au yajue? Ne l'as-tu pas appris? Hakuyaelewa? C'est le Dieu d'éternité. Ni Mungu wa milele. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Wa milele ula riumba hata mwisho ya Il ne se fatigue point. Achokake kamwe. Il ne se lasse point. Achichokake kamwe. On ne peut sonder son intelligence. Awezi kupeleleza akili yake. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Analetaka nguvu kwa yule anachoka. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Na anongeza nguvu ya ule anakuwa anaanguka. Verset 31. Musa 10. Mais ceux qui se confient en l'Éternel. Ya kini wale wanachipana mwa Mungu. Renouvellent leur force. Wanafanya nguvu yao upya. Ils prennent le vol comme les aigles. Wanaruka kama Il couche et ne se lasse point. Na wanakimbia bila kuchoka. Il marche et ne se fatigue. Na wanatembea bila kuchoka. Soma anasema hivi. Zaburi tisesi. Asema ni David anasema ma destinée est dans les mains de Dieu. Asema destinée yangu ko mu mikono ya Mungu. Na mushisabu tulisema mu destinée muku destin. Et n'oubliez pas nous avons dit que dans la destinée il y a le destin. Na tulisema destin. Et nous avons dit le destin. Ni ensemble ya ma événement. Ni bile bitu vile biko nafuatana. Ili kuna mufikia mtu qui arrive dans la vie de l'homme. Bila ye kutaka sans sa volonté ya mzuri au ya mubaya du bien ou du mal c'est ça le destin njo ile matayarisho c'est njo comme David anasema ma destinée est entre les mains de l'Éternel si David dit que ma destinée est entre les mains de l'Éternel anatafuta kusema tu asema il veut seulement dire ma événement yote iko nafanyika mu maisha yangu tous les événements qui arrivent dans ma vie iko mu mikono ya Mungu c'est entre les mains de Dieu ma événement yote iko permis na Mungu tous les événements sont permis par Dieu atakama même si Mon destiné final yako. Même dans ta destinée finale. Utaisha bien. Tu vas bien terminer. A insignifié sema mukachika chumu au tapata bibaya. Ça ne signifie pas que dans au milieu là tu ne vas pas rencontrer les mauvaises choses, non. Bon appel aussi. Le Seigneur soit loué. Bon appel aussi. Le Seigneur soit loué. Ataisha na we bien. Ataisha na we bien. Même si Dieu va bien terminer avec toi. Utazeka. Tu vas vieillir. Tu vas bien terminer. Ça ne signifie pas que depuis que Dieu a donné la promesse, tout sera seulement normal, bon. Non. Tu peux connaître l'accident. Tu peux connaître la mort d'un enfant. Tu peux connaître le vol. Tu peux divorcer pour une année. Tu peux rencontrer les mauvaises choses qui peuvent être à deux, à trois. Ce qui est vrai, il est kuyakweli. Ce qui est vrai, il est kuyakweli. Utaishana na Mungu paka bien. Tu vas bien terminer avec Dieu. Mungu anaweza kukulaka. Dieu peut te promettre. Il te promet de très bonnes choses. Toi-même, tu as rêvé ça. Après avoir rêvé, quelqu'un vient. Papa, tel que tu es habillé, c'est comme ça. Que quelqu'un te dit encore. Il signifie que ma bile bitu yote bitakuwa bizuri. D'ailleurs, Dieu travaille comme ça. S'il te promet, il quitte dans tes problèmes. Il quitte. Il veut voir si ça deviendra compliqué. Est-ce que tu lui as cru ou pas? Est-ce que tu lui as cru en ce que Dieu t'a dit ou pas? Et tu lui as mis le mobile Mungu alikwambia au hapan. Deux. Il veut voir en toi. Est-ce que unamupenda paka juu ya bile au hapan? Est-ce que tu l'aimes juste pour ce qu'il t'a promis ou pas? Deutéronome chapitre 8 nasema hivi. Deutéronome le chapitre 8. C'est moi Dieu. Je t'ai fait marcher dans le désert. Là où il y avait les serpents. Là où il y avait des mauvais insectes. C'est que moi je voulais. De savoir ce qui est dans ton cœur. Si Dieu me disait. Regardez Abraham.
Mungu anasema utazali. Dieu dit que tu vas avoir des enfants. Kuzala hazali. Il n'a pas eu d'enfant. Au point que na Sara. Au point que Sarah. Anangaria. Elle regarde. Ana raisonné. Elle a raisonné. C'est bien pas je crois minjo michena na buzazi. Et peut-être c'est moi qui ne suis pas féconde. Abraham est na buzazi. Abraham est fécond. Dieu anamuita. Alors il l'appelle. Bwana yangu. Mon mari. Nishiku chele weshe tu. Que je ne te mette pas en retard. C'est chez nous, on ne met pas au monde. Kumbi, comme toi tu es fécond. Beba agar. Prends agar. Parce que c'est moi qui te mets en retard. Abraham n'a pas parlé, on a fait un kiri muzuri sana. Abraham dit que c'est une bonne pensée. Vraiment, tu es une bonne femme. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont parlé avec Agar. Agar est quoi domestique? Pensez Agar était. Agar. Entre d'abord dans la chambre. Sarah est quoi na bukala mushi wa kupi. Sarah était tellement rusée ou maline. Tu vas commencer comment? Dieu n'a mis pas Abraham. Et il lui a donné Abraham. Benazala na Ismaël. Ils ont mis au monde Ismaël. Malgré il. Malgré cela. Aïe mupe Abraham paix. Ça n'a pas donné la paix à Abraham. Anamonesha oh, je m'en vais. Anasema, sans enfant. Minanza kuenda bila mtoto. Eliezer. Na Eliezer. C'est lui qui va hériter de maintenant. Dieu lui dit non. L'enfant qui sortira de tes seins, c'est lui qui héritera de toi. Abraham anakuwa na 99 ans. Imaginez Abraham a atteint 99 ans. Dieu Mungu akuye. Et que Dieu puisse venir. Crème. On prépare la crème pour lui. Na nyama. Avec la viande. En train de manger. Sarah était assis là-bas. Mais Sarah ma promesse yote ya Mungu. Mais toutes les promesses de Dieu. Il a commencé à Abraham. Et commencé à parler à Abraham. Sarah, c'est pourquoi je crois que c'est pourquoi. Parce qu'il est ma promesse yote ya kwanza ataka kufanya kitu. Parce que toutes ces promesses ne lui faisaient rien. Hakuamini ma promesse anamupa nani. Agar, il n'a pas cru dans les promesses. Et lui a donné Agar. Et Dieu est venu lui-même. Mungu, anaza kumulaka Abraham. Et Dieu commence à. Ok, ça va bon. À dire au revoir Abraham. Bakia mzuri, ça va. Merci mes chakula, yonaipika. Bon, ça va. La nourriture que tu as donnée. Mwaka kesho. L'année prochaine. Bibi yako atazala mtoto. Jo Sarah nashikia. Sarah tendu. Aventure, il n'a fait qu'un sommet. Dit l'aventure a atteint maintenant son sommet. Aventure, il n'a fait qu'un sommet. Aventure, urilaka weye, weye urilaka tuingali babiana. Tu as donné la promesse, nous étions encore jeunes. Ni on a double ménopause. Aujourd'hui double ménopause. Vraiment, la nourriture dérange les gens dans leur tête. Dieu, au lieu de s'adresser seulement à Sarah, Dieu a demandé à Abraham pourquoi. Sarah, bibi yako anacheka. Il continue à s'adresser à Abraham. Pourquoi Sarah, ta femme Sarah, Sarah continue à rire? Sarah là où elle était. Mimi nacheka. Est-ce que moi Mimi je ris? Est-ce que moi je ris? Alors, commence à discuter avec cheque. Je n'ai pas ri. Biko nguvu kwa mishi cheke wewe mawazo yako. Ah toi c'est toi je ne ris pas. Mungu sasa utazala, utazala. Tu vas t'accoucher. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Nini haiwezekani kwa Mungu. Sarah wapi mishi cheke. Ah Sarah dike je ne ris pas. Mishi iko sari mke yako kumfanya Abraham. Huyu ni mie sasa. Ah ça c'est moi maintenant. Iko sari mke yako kumfanya Abraham. Unaona bambo yako unasumbuana na Mungu. Mimi cheka mie. Je crois que elle est restée parler avec Abraham. Moi je mishi kucheri. Je cheka nini? Je vais rire quoi? Chie mwenyewe alilaka kufanya hafanye. C'est lui même qui a promis pourquoi t'as pas fait? 90 ans. Hey. Hey. Vous savez, il y a certaines choses. C'est que Dieu fait. Et toi-même, servir. Et quand tu le vois, on est la Kenya. Tu t'étais. Papa Élisée. Papa Élisée. Il y a ce qui nous complique. Waza.
Imagine-toi 90 ans. C'est vraiment une vieille maman, une grand-mère. On n'a pas quelqu'un qui a 90 ans ici. Cherchez-moi une maman qui a une vieille maman ici, une maman qui est déjà âgée. Cherchez-moi une maman quand même qui soit âgée. Si elle est à tes côtés là, dis-lui, maman, si tu peux passer devant. Elle est où? Maman, tout moi, je suis comme elle. Je suis 65 ans pour prendre la couille. Une maman qui est au-delà de 65 ans peut passer. Moi, toi, oui. Une maman qui est au-delà de 65 ans peut passer. 65 ans. Il n'y a pas une maman qui a déjà 65 ans au-delà. Malheureusement. Eh, maman. Maman, on a 65 ans. Mungu embariki sana. Dieu bénisse abondamment. Mungu akusaidie kumbe uzeke. Que Dieu t'aide, que tu puisses vieillir. Ouais, ouais, ça, ni wa 90 ans. Elle avait 90 ans. Mais elle n'a pas ta mimba ya un mois. Et elle est enceinte d'un mois. Kama ni hii miaka yetu anaenda kwa gynécologue. D'ici à notre époque ici, elle sera chez le gynécologue. Ni unashikia mtumbo mwana na nani? Tu as sambo. Ina pas kwa mamibe, mamibe. Ça doit être les amibes. Na nani? Est-ce qu'on a couru avec ma bite à ce moment? Comme il y a ma mibe ni ma nani, ascaris. Si ce ne sont pas les amibes, ce sont les ascaris parce que. Mais finalement, on les a oublié avant tout. Tel que je viens de demander aux gens. Ben ça c'est pour une mibe. Mibe. Et on dit que c'est peut-être la grossesse. La grossesse? Deux mois. Miens imbi. Trois mois. Miens imbi. Quatre mois. Miens imbi. Bah les bottes, bah mon quartier, beaucoup ça baranja kuangaria. Oyo mama oyo. Et tous ceux du quartier, regardez cette maman, le ventre est en train de gonfler. Ce n'est pas la sorcellerie, on l'a sorcellé. Il y avait un enfant. Aujourd'hui, c'est pourquoi je vais prier pour toi. C'est que Dieu fasse quelque chose. C'est que les hommes ne peuvent pas comprendre. Il y a Sarah, 9 mois. Non, qu'elle puisse porter la grossesse pendant 9 mois. Il y a Lazare. Pour Lazare, Anisha Koufoua. Il était déjà mort. Dadayake propre. Sa propre sœur. Mutoche Ribwe. Enlever la pierre. Yeni mwanamuke, bale batoche Ribwe banapashi kwa banaume. Elle était une femme. Ce qui devait enlever la pierre, c'était des hommes. Elle va, elle arrive. Elle laisse les gens enlever la pierre et dit ushifanya tu mana ushidiranger parce que anesha kununka tsoke eko anesha koza parce que mimi ndio ninachofa karibu na shikarufu avec ma tête comme ça. Ne vous dérangez pas seulement, il est déjà là pourri parce que j'étais tout près là-bas, il sent déjà. Suivez-moi très bien. Mungu Dieu, il est temps. Il y a le temps. Ana utilisa ka imani yetu. Il utilise notre foi. Dieu a quoi pour agir. Il y a des fois. Koko mara il a besoin na imani yetu. Il n'a pas besoin de notre foi. C'est ça la destinée. Dieu, il est destiné. C'est ça la les promesses. Analaka. Il a donné la promesse. Analaka. Il a promis. Tu ne sais pas comment ça va arriver. Tu n'as même pas l'idée. On va t'engager. Tu ne sais pas la personne qui t'a engagé. Mungu est quoi? Dieu existe. Ce matin, la raison pour laquelle tu as appelé, c'est pour que
dans ta destinée. Les choses qui t'avaient promises, tu ne crois plus. Et les hommes ne croient plus. C'est ce que Dieu va faire aujourd'hui. Jésus est mort, il est entré dans la tombe, on a placé une pierre. Ça ne s'arrête pas là-bas, on a placé même des militaires. Et chez eux, on a mis même un deuil. Et si c'est chez nous ici, il reste un jour, le deuxième, on va lever le deuil. Enlever Dieu dans l'histoire. Enlever Dieu dans les ondes. Enlever Dieu dans la Bible. Mais qu'il soit vivant dans votre vie. Soyez tous fous pour accepter les choses de Dieu. Soyez tous anormaux. Pour accepter les choses de Dieu. Dieu a kuchi kavitu ya Mungu. Mine mionesha se ni kuna 5 mois apa, 5 mois. Il est né à les 25 ans, où les dada trompa inako, ibiabi nako, anapata mimba. Kisha pana ya buwana yake, ya mubalabala. Je vous ai dit qu'il y a 5 mois, depuis le 25, la sœur a conçu, elle est grosse, pas avec un mari, mais quelqu'un qui est passé comme ça. Elle n'a pas de trompe, elle n'a pas de matrice. Elle n'a même pas encore abandonné la bière. Ça, j'ai compris. Mungu atafuta kunyonyesha sema tu ne peux pas m'expliquer moi Dieu. Ah, hapa mielewa kusema Mungu ananiambia sema hawezi kunifasiria mie Mungu. Hawezi wewe kunifundisha kubatu kale ka parti ka loko kale mitakupa tu nguvu ya wewe kuhubiri bantu banipende baniamini panienelea mais wewe kunyexpliquer hautaweza. Je peux te donner une petite partie, tu peux expliquer aux gens, les gens vont croire à moi, mais toi m'expliquer tu ne peux pas. Vous tous qui avez des problèmes compliqués, vous n'avez pas d'issue. Ce matin, vous n'allez pas forcer par votre propre force. Vous allez sortir de pour vos problèmes. L'Éternel lui-même, il viendra et il vous sauvera. L'Éternel lui-même, il viendra et il va vous consoler. L'Éternel lui-même, il viendra et il vous dira, voici les chemins, suivez-les. Confiez-lui vos vies. Dis à Dieu, moi j'ai échoué. Reconnais que tu as déjà échoué. Avec tes commerces, tu as déjà expliqué à combien de gens? Dans ma dénominateur commun, ma bite cannibale, vous voyez un peu, le prix des ventes, le prix d'achat, le bénéfice, 25%. Tu mets à la banque, tout ça, tu as déjà compliqué. Tu ne sais même par où passer. Laisse maintenant à Dieu d'agir. Nous sommes chrétiens. Si ça complique, nous regardons à la croix. Nous disons Jésus. J'étais déjà entendu Jésus. J'ai appris que tu as marché Jésus. J'ai appris que tu as fait trois jours. J'ai appris que tu as fait rappelle-lui ce qu'il a déjà fait. Tu as marché sur les eaux. Des choses qui ne peuvent pas se faire comprendre. Les muets. Les aveugles. Souvenez-vous de celui-là qui dormait sur son natte pendant 38 ans.
Grand Gilbert, on va préparer à manger. Lui, il dit ça va, je reste ici. Si encore l'eau sera bougée, on le voit à 14h. Avec son lit. En train de rentrer avec. En train de rentrer. Tout le monde. Gilbert. Je crois les gens avaient fui la maison. Il est rentré seul. Après 38 ans. Écoute ce que tu as dit. Il n'est pas fatigué. Il est encore. Il n'est pas dormi. Chrétien. Amen. Dieu va faire. Amen. 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 Tu ne dis pas amen. Afanya. Nous sommes Christ, on est chaque coup de chaud. Le chrétien est déjà fatigué. La foi est déjà détruite. Écoute, je te dis. Il lui renouvelle sa bonté chaque jour. Si hier ça n'a pas marché, ça peut marcher même aujourd'hui. Si ça marche, ça peut marcher demain. Si ça ne marche pas, ça marchera toujours. Ça marchera toujours. N'aie pas la foi comme celle de Marthe. Ton frère ressuscitera. Nduguya mata fufuka. Je le sais. Mina jua. Il ressuscitera. Ata fufuka. À la résurrection des morts. Pale ba fufote mata fufuka. Yesu asema leo. Jésus lui dit aujourd'hui. Hakuna mutumishi. Inyoke servitor. Una atafanya muujiza. Qui fera un miracle. Kama wewe hauamini. Si toi tu ne crois pas. Hapana. N'y a pas. Hapana. Il n'existe pas. Aux événements passés. Coupez tu viens de chapitre. Ne faites pas allusion aux événements passés. Aux Shangariers viens de chapitre. Léo. Aujourd'hui. Nishiku ingine. C'est notre jour. Léo. Aujourd'hui. Mungu anayo buzaifu yako. Dieu connaît ta faiblesse. Anayo kuchoka kwako. Il connaît ta fatigue. Anayo imani yako. Il connaît ta foi. Anayo sasa unachoka. Il connaît que tu es fatigué. Anayo sasa unachoka sana. Accepte que Dieu va t'aider. Accepte que Dieu va t'aider. Ma prière. C'est que Dieu ma prière. Que Dieu te donne tu vas le témoigner. Que te donne des choses avec lesquelles tu vas le servir. C'est ça ma prière d'aujourd'hui. Nous tous nous fatiguons. Même nous les prédicateurs nous fatiguons. L'année passée, il croit comme au juin. L'année passée, je crois que c'était au mois de juin. Juin ou juillet. Juin ou juillet. Pas en juin. N'est pas je crois février. Je crois que ça doit être au mois de février. Tuko. Batoto banetulomba Minerval, banetulomba makuta ya kubaripia nyumba kule Beko,
Les enfants nous ont demandé le Minerva, l'argent pour le loyer. Moya, ranja kuri pa kamani $300 par mois, nyumba 450, batoto be kamani 6. Ils sont à peu près à 6, elle a payé $300, 450. Bayer wabo ni muzungu. Et leur bayer c'est un blanc. Ça ça kama tu. Et si seulement. Bana petit chalet 5. Il dépassait le 5. Anawa ko kataka moto. Il vient couper le courant. Kule nako abepikai pa makala ni mpaka pa nini? Et là aussi, ne prépare pas avec nos braises ici, c'est seulement avec les plaques. On était déjà le 4. On était déjà le 4. C'était déjà le 4. C'est ce pasteur Moyanaye. Un pasteur aussi. Il insiste pas que Nikaubi. Il insiste pour que j'aille prêcher. Façon comme on dit ça, c'est ma Mista Kuya. La façon de lui dire que je ne saurais pas venir ce matin, je peux aller chercher l'argent, sinon on va couper l'électricité. Il me sonne encore à 6h30. Il me sonne à 8h. Il me sonne à 9h. J'ai dit, il a un autre problème, ce n'est pas la prédication. Ça, ce n'est pas seulement la prédication. Je suis parti, j'ai prêché. Après la prédication, 19h, à 19h, il m'appelle à son bureau. S'il vous plaît, s'il vous plaît, si Dieu veut t'aider, il va même aveugler ton intelligence. C'est toujours à Lubumbashi, c'est le pasteur Jean-Clément NCD. Anani par enveloppe. Il m'a donné l'enveloppe. S'il vous plaît, je lève ma main vers le ciel. Mine ibamba ivi. Mina ona 10 000 francs, 10 000 francs. J'ai pris ça, j'ai vu que 10 000 francs, 10 000 francs. Mina panda motoka, mina fika kumulango. J'ai pris le véhicule, je suis arrivé à la maison. Je voulais enlever les 10 000 francs pour payer les unités. $100. Mais le 10 000 francs qu'ils avaient, j'enlève encore 100 dollars. J'enlève encore 100 dollars. Mais ça, c'est sérieux? J'enlève maintenant l'enveloppe. Je regarde, il n'y avait pas le 10 000 francs que j'avais vu lorsqu'on m'avait donné. Je lève ma main vers le ciel. Et je pèse bien mes mots. C'est 10 000. Il pouvait seulement changer. Il me donne 600 dollars. J'appelle maman, j'ai dit l'argent pour les enfants est suffisant. On a commencé à compter 5 000. Le matin, je vais aller le remercier. Papa, je rencontre maman. C'est vous qui avez pressé ce Papa, je t'ai cherché. Il m'a donné. Je n'ai pas compté, j'ai mis. Papa, avant que je ne rentre. Ici, il y a l'argent ici. J'ai dit, je vais aller compter à la maison. Je compte 6 000. Ajoutez cela 11 000. Et tu crois que je peux douter Dieu? Tu as la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi que tu as. Dieu t'a déjà sauvé même de la mort. Dieu t'a déjà tiré même de l'accident. Même le poison, tu as déjà mangé. Tu as déjà mangé. C'est toi qui ne sais pas. Les bandits à mer, mais ils sont déjà passés chez eux. C'est la conscience. Mais ils ont confondu. Ils sont allés sur le monde. Léo, aujourd'hui, tu t'habillais comment? Les années antérieures ici.
Si on peut te donner, on prend l'autre photo. Là. On va te demander. Papa Bilez. Papa Bilez. Oui, Baba Yako Anisha Kufuaka. Oh, on va te demander. C'est bien, papa. Il dit non, c'est moi. Là, tu es déjà bien. Tu as oublié tout ce que tu as déjà fait pour toi. Frère. Ndugu. Koko bantu ya kipi moya ko abaya yu motoka abayuwe. Mienda na dada moya wa mkanisa yetu. Tunafika na pastor mwami na say, nasa hatuna biakuza, nasa wende mu supermarché. Tunashimama inje, sa ukauze nani. Kokoa hii ya kunywa hii. Il y a des gens de ton âge qui ne connaissent pas le véhicule. On était avec une soeur, je lui ai donné l'argent pour acheter le cocoa dans un supermarché. Elle entre. Et puis elle est sortie. Elle dit papa. Il n'y en a pas. Je dis non. Tu vas là où il y a le frigo. 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 Va là-bas. Anenda, il est parti. Tena. Il rentre. Elle rentre. Kishana, quoi, papa. Elle dit, papa, papa on ne vend pas. Tu as mis cette date, tu as dit. Alors, j'ai dit, ma soeur, on y va. Mais là, je dis, vous ne vendez pas le cocoa. J'ai tout le jiche. On nous vend. Mais ça, c'est où il y a mon jiche, c'est la panne. Nous avons vu ta soeur entrer sur. Elle est entrée, elle est sortie. Pourquoi tu as fait ça? Je ne sais pas comment on achète ici. Ce n'est pas que c'était une blague. Je ne sais pas comment on achète ici. Dans ce monde, il y a quelqu'un qui dit, tu ne veux pas croire en Dieu. Donc aujourd'hui, il va nous aider. Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout là où tu es. Il faut rendre grâce à Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu. Il faut dire merci à Dieu. J'aimerais qu'on dise merci à Dieu d'abord pour l'année passée. Merci seulement. Tu m'avais aidé. C'est vrai, je vis. J'ai perdu l'homme. J'ai perdu le mari. Mais je suis en vie. Merci. Avant qu'on nous place l'année prochaine entre les mains de Dieu, disons merci à Dieu pour l'année passée. Merci Seigneur. Pas seulement pour l'année passée, pour toutes les années antérieures. Minona. Garçon moi, on a 42 ans. Je vis un garçon mourir à 42 ans. Je regarde le nombre d'années que j'ai. Hey. Hey. C'est-à-dire, moi, au monde, je fais à peu près plus de 18 ans. Lui, il est venu après moi dans le monde. Après m'avoir suivi, il a vécu et il est mort. Il m'a laissé encore dans le monde. Il est venu dans le monde. Il m'a trouvé déjà en sixième des humanités. Imagine-toi. Donc, Villarizali, quoi qu'en avril, nous savons qu'il y a deux mois, nous présentait déjà. Nous sommes sixième, nous avons signé ma souche, nous avons fait un bio, nous avons. Comme il est né au mois d'avril, il restait deux mois qu'on présente les examens, et il m'a trouvé en vie. Et puis il m'a laissé encore dans le monde. Peut-être que nous avons eu un peu. Dieu encore aura pitié de moi pour. Il y a des gens qui t'ont trouvé dans le monde. Ils ont fait 17 et ils t'ont laissé. Bénis Dieu pour toutes ces années.
Ça veut dédier l'année. Beaucoup veulent se rendre grâce à Dieu seulement pour 2022. Rendre grâce à Dieu depuis. Un mois. Tu avais un mois. Une minute tu avais une minute dans le monde. Jusqu'à Léo. Pas qu'à Léo. Béni Dieu. Je ne sais pas comment te dire. Tu peux, tu peux t'asseoir. Tu peux aller par terre. Tu peux t'agenouiller. Mais rends grâce et remercie Dieu. C'est ma sainte boire. Après cela, nous allons dédier l'année. Après la dédicace de l'année. Et tu vas demander ce que tu veux que ça vienne cette année. Est-ce que tu as bien suivi? Maintenant, en disant merci à Dieu, on cite le groupe des bons événements et les mauvais événements. Tu les cites. Et puis tu dédies l'année à Dieu. Si Dieu, cette année qui commence, les événements tels, si ça peut quitter ma vie, regarde ce que je vais faire pour toi cette année. Toi aussi ne dis pas seulement par la bouche. Hein? Dis-le lui. Dieu, je me rappelle. 2002. J'avais reçu mon diplôme. Merci, Sam. Merci beaucoup. Mais je me rappelle en 2004. J'avais échoué en troisième grade. Mais je ne t'avais pas abandonné. Merci, Seigneur, pour ça. À Sainte Mungu Jaile. J'aimerais que tu ouvres ton cœur. Fermons les yeux. Et nous chantons avec les musiciens. Nani. Ana yeweza Yesu muweza yote nani ana yeweza Yesu muweza yote nani nani Sois prêt à la
Regarde ici. Angario. Regarde ici. Napenda mshukuru na roho yako. J'aimerais que tu puisses lui dire merci de tout ton cœur. Angario kudada. Regarde ici, ma soeur. Mshukuru na roho yako yote. Si tu peux lui dire merci de tout ton cœur. Utashika tamu na machozi inaanza kufu. Tu sentiras un moment les larmes couler. Napenda ufike mwile lifo. J'aimerais que tu atteignes ce niveau là. Mimi nakumbuka niko kwa internat. Moi je me rappelle on était à l'internat. Mimi natoka au village ya kule kwa internat ndienda kuuza byakuza. Je quittais dans le village pour rentrer à l'internat. Je suis parti acheter quelque chose. Moi, 21h. Il fallait traverser une rivière. J'ai vu une femme. Avec de longs cheveux comme une blanche. Avec des histoires au niveau du cou, au niveau de la hanche, sans vêtements. Elle se jette dans l'eau, elle sort. Moi, j'étais debout là. J'ai pris ma cigarette, j'ai commencé à fumer, j'ai dit, je n'ai pas de problème avec toi, j'ai traversé, je suis arrivé, je n'ai rien vu. Et à chaque fois, la nuit, quand je devais traverser là-bas, je dois avoir la cigarette, je fume pour chasser cet esprit-là. Ce n'était pas la cigarette. Sinon, les ingénieurs de tabac ne meurent pas. Sinon, les ingénieurs de tabac ne meurent pas. Dieu savait qu'un jour j'allais le servir. Et tu as déjà traversé des pareils moments. Et tu en as traversé de trop. Tu en as traversé beaucoup. Fais un effort. Que ton cœur te dise que ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ta force. Ni Mungu ari kuchunga. C'est Dieu qui t'avait gardé. Beba tu position moi le temps mushukuru. Sema bitu bitatoka kuru. Sema. Prends une bonne position que tu vas te permettre de rendre grâce à Dieu des choses qui vont sortir du fin fond de ton cœur. Parle au Seigneur. Sema na Bwana. Tuombe. Prions. Takushukuru namuna gani we baba we we namuna gani we takuimbia namuna gani e baba we we namuna gani baba yangu mie baba namuna gani we Kweli takushukuru na
Que Dieu te bénisse, tu peux te rasseoir. Toi, Pedro, Peter, Mkipande, Kingiri, Mkwe, Patient, ni journée, Mounene. Soyez patient, nous voulons passer dans une autre étape. Mkwe, patient. Soyez patient. Christo, Vanapendaka, Nabitu, Biaseri. Mais Fanya, Mbio, Mbio. Les chrétiens, même les choses sérieuses, il faut les faire précipitamment. Journée, allez, oui, que ça, journée à bilan. Et la journée d'aujourd'hui, c'est comme une journée de bilan. Baloji, Nabachaoui. Les sorciers, les féticheurs, très sérieux. Ils sont sérieux. Bilan. Ils font leur bilan de ce qu'ils ont fait. Les chrétiens aiment la précipitation dans toutes choses. Sans prendre la bière. Tu ne voles pas l'argent de quelqu'un. Il faut rendre grâce à Dieu. Il y a des gens qui échouent de faire 2 semaines sans prendre la bière. Il y a des collègues pasteurs. Mais si nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas extraordinaires. C'est Dieu qui refuse. Il faut dire merci à Dieu. Vivre tel que tu vis, maman. Aujourd'hui, tu as totalisé 10 ans. Tu ne prends pas la bière. Ce n'est pas de la blague. Dis merci à Dieu pour ça. Je me récompense à la deuxième étape. Tu trouves qu'il n'était pas favorable à ta foi. Dédié cette année entre les mains de Dieu. Pas pour que Dieu les change, non. Que Dieu t'épargne de ces amis-là. Et si tu as aimé certaines personnes, qu'ils puissent entrer dans ta vie. Que tu demandes à Dieu qu'il puisse les faire entrer.
Tu viens des événements. Et tu quittes les hommes, tu vas vers les événements. Tu laisses les événements. Ma immobilier na mobilier. Tu vas regarder les histoires mobilier immobilier. En d'autres termes. On a mona ingine. Ukona tafuta kupanga vie yako ya mwaka mjima. Tu es en train de d'arranger ta vie de toute l'année. Tout dépend ya imani yako. Yote na batana na na imani yako. Kama unaidedie mzuri. Si tu te dis bien. Baka vile kuna sema njoo vile bitaonekana. Tel que tu le dis, c'est comme ça que ça va se réaliser. Biblia inasema qu'il te soit fait. Biblia inasema ikufanikie. Selon ta foi. Kufatana na imani yako. Aina Mungu anasema bile bitu. Ce n'est pas Dieu qui a parlé de ces choses. Anza kubantu. Commence avec les hommes. Tina kuma immobilier. Paka na bitu. Na kuma mobilier. Na bitu. C'est-à-dire, na ile ma quartier unaona que ata ma mikoba tu trouves wako, ton voisin amuna naye bien. Vous n'êtes pas en bon terme. Soit Mungu akupe pango ingine. Soit Dieu t'accorde une autre place. Soit Dieu le déloge. Mukaji muloko natumika. Au boulot où tu travailles. Muko muntu moya. Il y a quelqu'un même sans problème. Je ne dis pas qu'il meurt. Soit Mungu akupe kazi ingine. Soit Dieu te donne un autre travail. Soit apana. Soit non. Mungu amwamishe. Que Dieu puisse le faire partir. Mais kama Mungu anaweza kumchanger, ili ni mwangalie. Et si Dieu peut le changer, ça n'engage que Dieu. Naba semeki. Et les beaux frères. Ba makelele ata unashuka je wapi? Même si tu t'humilies comment, il n'y a rien qui change. Mungu amkabrie tu mzungu mwampeleke kwa Allemagne. Dieu peut lui donner un blanc qui l'amène à l'Allemagne. Nous devons vivre en paix. Tu n'as pas sa kuishi musalama. Nous devons vivre en paix. Tu n'as pas sa ishi musalama. J'espère que tu as bien mzuri ça. J'espère que tu vas ni très bien prier. C'est ta vie. Weka maisha yako ya mwaka mzima mu mikono ya Mungu. Recommande toute ta vie de toute l'année entre les mains de Dieu. Mushuazia sema kuombea miaka biko impossible. Hapana. Ne pensez pas que prier pour de l'année c'est impossible. C'est possible kuomba miaka. Inawezekana ku prier pour. Nakumbuka ile année mimi afuta kuonesha 51 ans. Je me rappelle l'année où je devais totaliser 51 ans. Miaka ku Mkongo hii. Les années passées ici. Pasteur mwana ni sonne. Un pasteur m'a sonné. Oh papa, mimi naona musalaba bananjika sema 51 ans. J'ai vu une croix, on a écrit 51. Dada mwana kuya o yana nyonesha na o miliona date anatena date. Et elle a cité même la date. Mandoto si je ne m'abuse pas, ata 14 avant to bakwachana. Et à peu près 14 de différentes personnes. Na mwonesha mama amesema miaka Mungu anikalaka nayo au hapana. J'ai demandé à maman est-ce que Dieu aussi l'a des années. Kama mulomba mu miaka Mungu mule mu miaka yake itariske kumderanger akufwe kiana na ye Mungu. Et si je lui demandais quelques années, ça va lui déranger, il risque aussi de mourir trop jeune Dieu. Minenda na amia ku bureau ndifanya plus ya 4 ou 5 mois. Je suis allé au bureau, je suis resté là-bas à peu près 4 ou 5 mois. 19h mine kala pakichi. À 19h je suis assis. Naweka mikulu pakichi jusqu'à 7h. Jusqu'à 7h. Niko namuonesha Mungu. Je suis en train. Miaka yako mule. Dans tes années. Kama mina bebamo. Si je prenais 20 ans, 30 ans. 20 ans ou 30 ans. Est-ce que unaweza kufa kiana? Est-ce que toi aussi tu risques de mourir jeune? Bele d'abord una miaka kama ni ma million kombi kama unakufa leo hapana problème mais unyongezee quand même miaka. Et d'ailleurs tu en as des millions d'années si tu mourais aujourd'hui mais ajoute-moi quand même les années. Kama niko mjima hivi. Si je suis en vie comme ça. Minaweza kuhubiri batu. Je peux prêcher les gens. Batatubu. Ils vont se repentir. Mais kama mimi nakufa. Mais si je mourais. Bantu. Abatashikia. Les gens ne vont pas t'écouter. Lufulu wangu alutachana na loi. Na lwa nyama wote wote parce que hakuna kile itasaidia mais lwa konjo lulitoko kumi unyokoe unyongezee miaka. Maman ne sera pas différent de celle des animaux parce que c'est toi qui nous as sauvé. Nafikisha na ile date barisema. Je suis arrivé à la date prévue. Sasa Nina. Shetani mujanja. Le diable est trop malin, très rigide. Cette date là.
Je ne suis pas malade, je sens comme si je vais tomber. J'ai quitté la chaise, je me suis assis. Je voyais comme si les gens venaient me prendre. Je priais, c'est passé. Demain, après le lendemain, j'achète-moi ceci. Que je puisse avoir l'appétit pour manger. Il y a des années passées. Il en sera aussi de même pour toi. Itafanika vile juu yako. Kama banisha kukulotea ndoto. Si on a songé pour toi. Asema utakufa. Udike tu vas mourir. Hii mwaka niko na konesha. Cette année je te dis. Itakupita. Ça va te passer. Na mwaka kesho itakupita. L'année prochaine ça va passer. Na hii kuna kwa itakupita. L'autre année passera. Mie na konesha wazi. Je te dis clairement. Bale banisha kukulotea. C'est là qui ont songé. Bataanza kushituka. Ils seront surpris. Napenda tuimbe tunatoa tuishe kuitoa tunaingia ku dedica sasa ya année yetu. Je me réconchante et nous sommes en train d'offrir après la nous allons entrer dans la dédicace de notre année. Pale bwana imba tunatoa maenveloppe yetu. Et pendant qu'il chante, nous venons déposer nos enveloppes pour la dédicace. Mais munafanya hivi. Ceux-là qui avaient pris les enveloppes à retourner le dimanche, vous placez dans le panier au milieu. Il est orange. Le panier orange. Ça les reste, moi que moi les matins. Et le reste. Il est bribé, mais tu as dédié une mois. Ce que tu as prévu pour dédier cette année, on met dans le panier de France. Si vous commencez à chanter, c'est chanter seulement. Allez déposer aussi votre offrande de dédicace de l'année. Même sans enveloppe. Ataka maina mu enveloppe. Unaweza kuweka. Ça va, ça c'est chibote. Et nous tous, nous pouvons continuer. Alors que les musiciens sont en train de chanter parce qu'ils ont déjà dédié. Karibu, karibu. Protocole tuweke ku rapidité juu tuombe sasa. Protocole, si on peut quand même accélérer. Même si le monde ne donne plus de prix.
Et même si tes promesses durent longtemps, comme l'oiseau aux soirées du printemps, je sais que tu ne dépendras jamais du temps. Je proclame que tu es Dieu. Oh, même si le monde n'arrive plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les anges, même si les anges ne voulaient plus célébrer ta louange, le cœur s'élèvera pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. C'est lui qui cherche à expliquer comment il a été sauvé, mais moi je suis sûr qu'il ne sait même pas comment il a été sauvé. Que Dieu bénisse abondamment. Alors, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'amour pour Dieu, avec une foi ferme. Je recommande l'année entre les mains de Dieu, na unyenyekevu mingi, na imani kamilifu. Dessine ton année. Na fatula mwaka yako. Dessine ton année. Fatula mwaka yako. Beba attitude moi humble. Prends une attitude d'humilité. Soit tu n'es kala pakichi, soit tu n'es kala chini, soit tu n'es unashimama, soit tu n'apika magoti, mais beba tu attitude moya, il est à partir du mois de janvier. Nous avons traversé. Ils disent qu'il y a une autre maladie qui est en train de venir. Qu'elle vienne. Et ça va passer et ça va nous laisser nous toujours comme ça en vie. Et si ça devient petit pour eux, ils peuvent inventer. Moi je dis même la bombe là, Satan 2 là. Il est à Barus. Des Russes. N'ayez pas peur. Et ça va tuer même seulement ceux-là qui étaient prévus de mourir ce jour. Mais vous qui avez dédié la vie de cette année, Satan 2 tombera sur. Mais ça va te trouver toi à la montagne. Ça va tomber dans votre société. Mais ça va te trouver toi à l'église. J'aimerais que tout un chacun puisse prendre sa position. Prends une position qui va t'aider à dédier cette année dans la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse beaucoup pour l'obéissance. Que Dieu vous bénisse beaucoup pour l'obéissance. Se souviendra de vous même à cause de cela. N'attendez pas le cantique. Nous prions, dédions l'année. À la fin, Pasteur Élisée, Papa Élisée, il ne connaît pas. C'est pourquoi vous avez prié. Il va juste dédier toute l'année entre les mains de Dieu. Ce qu'il va commencer à dire, vous répondez par Amen. Il termine en disant Amen. Il dit, vous dites Amen. C'est ce que nous allons faire. Prions. Oh, alleluia, hey, ay kudusu zamberanga, masia halinginga mingi, tikana emela enze.
tambola na yo kosa motema na ngai abakola na yo e kana ko lemba te ko kongumba na yo tina bomoi na ngai aba 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 papa aba 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 Si nous pouvons nous tenir debout tous. Les autres sont engagés, d'autres sont ailleurs. Les autres, leurs pensées sont ailleurs. Vous savez tout ce qui se passe ici. Ça influence toute ta vie. Il n'y a pas de jeu ici. Il n'y a même pas le théâtre ici. Qu'il souffre. Et tous ceux qui cherchent des informations pour ces peuples, pour les combattre, Seigneur, ils ne trouveront pas l'information de tes enfants. Ils commencent cette année en paix. Ils vont la terminer en paix. Ceux qui tombaient malades l'année passée, cette année, ne tomberont pas malades. Les maisons qui ont souffert cette année vont plus souffrir. Baba mina Colomba. Père, je te prie. L'année 2023. Que ta main s'élève sur leur vie. Akuna mukono ya muntu itajitukuza yule ya maisha ya utaifa. Aucune main de l'homme ne peut se glorifier sur la vie de ce peuple. Hii mwaka hii.
Ceux-là qui n'ont pas de boulot, Dieu donne-leur le boulot. Ceux-là qui manquent, Dieu donne-leur. En ton nom, Jésus-Christ. Seigneur, réjouis-les. Et travaille avec eux puissamment. Travaille avec eux puissamment. Chaque jour de leur vie. Que ça soit un témoignage. La journée ne peut pas s'achever sans qu'il témoigne ta main, Dieu. Donne à leurs enfants l'intelligence. Et garde leurs travails. Garde la santé. Tous ceux qui vont voyager, qu'ils arrivent à destination. Ujina lako Yesu Christ. En ton nom Jésus Christ. Bon accent. Seigneur merci. Je minaona yua yako. Je vois ton soleil. Minaona yua yako. Je vois ton soleil. Inangazia itaifa hii. Qui éclaire ce peuple ici. Accent bon. Merci Seigneur. Paka ile mikono iko na mchapia Yesu. Les mains qui acclament Jésus. Que Dieu permette à ce que les gens t'acclament. Le Seigneur soit loué. Il est bicone barikiwe. Que ses mains soient bénies. Il est bicone bambe makuta. Que ses mains touchent l'argent. Il est bambe bitu bizuri muituria. Que ses mains puissent toucher les bonnes choses de ce monde. Merci Jésus. À santé Jésus. Seigneur, travaille avec tes serviteurs cette année. Travaille avec eux puissamment. Travaille avec eux. Que l'onction coule sur eux. Qu'ils travaillent dans des dimensions jamais connues. Cinq ministères itumike muikanisa. Que les cinq ministères travaillent dans cette église. Mafuta yakwe mwangike Bwana. Que ton onction coule, Seigneur. Na imwaka wote atakaribia apate jibu magomo yake. Et cette année, tout celui qui approchera ce lieu, qu'il trouve la solution à son problème. Tutafanya pa ifashe jibu Mungu ishikawie. Toute prière que nous élèverons à ce lieu, Dieu, que la solution ne tarde pas. Ubakinge. Soyez bénis abondamment. 100 jours. 100 jours. Oh, ma prière, yote tunafanya, toutes les prières que nous avons eu à faire. Autoke mikono bule. Tu ne sors pas même réduit. Minasema autoke mikono bule. Je dis, tu ne sors pas même réduit. Et moi, quand montant du Carmel, à tous tes cas, la chèvre, pamoya, du temps de courir, aïta kouyako. Cette année, on ne peut pas rester ensemble aïta pour pleurer, ça ne va pas arriver. Au mamie voisin, abataniri yami, abataniri yamaka. Dis à ton voisin, on ne va pas pleurer sur moi. Kuna sema, c'est comme si aïna maïsha yako kuna semea. Tu parles comme si ce n'est pas ta vie. Na munyumba yangu sitari yata muntu moyo. Et dans ma maison, je ne veux pleurer aucune personne. Voilà, umuchapie Yesu mikono. Acclame Jésus. Tunasema hivi juu ya paroisse yetu ya De La Moto. Nous disons ceci pour notre paroisse De La Moto. I 4 jours. Ces 4 jours. Aina ya repos du église. Ce ne sont pas les 4 jours de repos pour l'église. C'est vrai, ma culte a inako. C'est vrai, il n'y a pas culte. Tout qu'on a culte à subuhi, dévotion matinale, lundi, mardi, mercredi. Nous avons la dévotion lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et si vous venez ici, vous allez trouver le travail en train de se faire. Si Dieu te bénisse, tu peux passer et nous laisser quelque chose. Parce que nous terminons. Mais ma ferron, na une tonne boule. Les ferrons, nous avons juste une tonne de ferrons. On a quatre tonnes de ferrons. Alors qu'il nous faut ajouter 4 tonnes de ferrons pour faire avancer ma travaux. Pour l'avancement des travaux. Ta l'ingénieur. Nous allons parler avec l'ingénieur. Tout a accéléré ma travaux. Nous allons accélérer avec les travaux. Pour que tout a vendredi. Pour que lorsque nous allons revenir le vendredi. Vendredi qu'il tient tout
ya vendredi ya mafungo inarudia. Et de notre culte de jeûne et prière de vendredi, on a recommencé. Sasa iko hivi, kama wewe uko prophète, uko prophétesse. Maintenant, si tu es prophète ou prophétesse, uko na zawadi ya Mungu, tu as un don de Dieu. Kuya vendredi. Viens le vendredi. Tunganishe bankuni. Et nous puissions mettre nos bois ensemble et que nous puissions allumer le feu. Et vendredi, nous commençons à 9h30. Et vendredi, nous commençons à 9h30. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu va nous arrêter. Amen. Amen. Et je ne pense pas que tout à Patini. Et je ne pense pas que nous allons prier ici-bas. Nous allons prier peut-être au-dessus. Parce que Patini, bataweka, batatosha bulongo, na kusuka ma feron, akuta kwa gisa kikala. On va enlever la terre, tisser les ferons, il n'y aura pas moyen d'occuper. Tout est né à couler. Et nous allons suffire là au-dessus. Sur les pieds, ma chaise, il y a toute ma chaise blanche. Nous avons essayé de dans quelques chaises, il y a tout rien à couler. Et c'était, ça suffit là au-dessus. Plus de 600 places à Bayou. Plus de 600 places là au-dessus. Donc tout à Caribie à vendredi. Nous allons nous approcher le vendredi. Mais avant qu'il soit vendredi, vous avez quelque chose. Nous pouvons passer de temps en temps avancer ma travaux. Pour faire avancer les travaux. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Ah, et nous demandons aux jeunes.